Bonjour. L'indice CAC 40 a perdu 0,40% à 7492 points jeudi. Le marché parisien a terminé dans le vert, profitant de la publication de résultats d'entreprises favorables et alors que la BCE a procédé à une nouvelle baisse de ses taux, comme attendu. Du côté des valeurs, Sartorius Stedim Biotech, un fournisseur de l'industrie pharmaceutique, a bondi après avoir enregistré sur les 9 premiers mois de l'année des prises de commandes en hausse de 6,6% à 2,32 milliards d'euros. En outre, le groupe a confirmé ses prévisions annuelles. Par ailleurs, Publicis, le groupe publicitaire, était bien orienté après avoir publié pour le troisième trimestre un revenu net en hausse de 5,6% à 3,4 milliards d'euros, supérieur aux attentes. Par ailleurs, le groupe a relevé son objectif de croissance organique à 5,5% pour l'année, contre 5% auparavant. La sélection du jour concerne Schneider Electric. Sur un graphique journalier, le titre évolue au-dessus de son support à 229 euros. Au-dessus de ce niveau, visé des cibles à 260 et 273 euros en extension. Sur le plan économique, la BCE a abaissé son principal taux directeur de 25 points de base à 3,25%, conformément aux prévisions du marché, le taux de refinancement, à 3,40%, et celui de prêt marginal, à 3,65%. Ce vendredi, les intervenants surveilleront l'évolution des ventes de détail au Royaume-Uni pour le mois de septembre. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Retrouvez-nous sur notre site internet www.tradingcentral.com et suivez-nous sur les réseaux.